Monsieur Galichin, pourriez-vous nous décrire l'époque dans laquelle cet habit magnifique fut porté? Il y aurait beaucoup à dire. En fait, c'est un costume qui date de 1891, au moment où Honoré Mercier, premier ministre du Québec, a reçu de grands honneurs de la part du souverain pontife, le pape Léon XIII. Mais si on essaie de situer un petit peu cette époque-là très rapidement, c'est l'époque qu'on a baptisée, vous le savez, de l'expression « la belle époque ». Ce n'était pas une époque très belle pour tout le monde, mais on l'a quand même idéalisé d'une certaine façon. C'était avant la Première Guerre mondiale et c'était l'époque d'Offenbach. Il y avait une certaine folie dans l'air et il y avait aussi une espèce de confiance extraordinaire qu'on avait dans l'avenir à cause de la technologie. Vous savez, l'électricité arrivait, il y avait les chemins de fer, il y avait le génie civil. Hein, c'est l'époque de la construction de la Tour Eiffel en 1889. Alors, il y avait donc une espèce de climat qui était agréable à vivre, d'après ce qu'on en sait. Oh, il est magnifique, magnifique. Honoré, tu avais raison, c'est une splendeur. Honoré, mais viens donc à la fin. Monsieur Galichin, la dame qui vient tout juste d'entrer, c'est... Oui, ne serait-ce pas... c'est Virginie Saint-Denis, la deuxième épouse d'Honoré Mercier. C'est une des deux grandes amours d'Honoré Mercier. Mercier a eu la chance de connaître deux grandes amours pendant sa vie. D'abord, au moment où il avait 20 ans, il a courtisé une très jolie jeune demoiselle de Saint-Hyacinthe qui s'appelait Léopoldine Boivin. Elle était toute jeune, alors son tuteur a dit à Honoré, « Bon, tu peux la fréquenter, mais pour les épousailles, finis ton cours, trouve un emploi, puis après ça, tu penseras au mariage. » Alors évidemment, ça a été un moteur extraordinaire. Mercier était quelqu'un d'extrêmement passionné, et puis il mettait tout son cœur. Alors il s'agissait qu'on lui dise, « Finis tes études, et puis tu vas te marier à Léopoldine. » Alors évidemment, il a passé son droit numéro, ça a été très, très rapide. Alors ça a été fait, et puis au bout de quelques années, en 1866, il a fini par épouser sa chère Léopoldine. Malheureusement, elle lui a donné une fille, c'est-à-dire heureusement, elle lui a donné une fille, mais malheureusement, elle est décédée très rapidement en 1869. Alors, il s'est retrouvé à moins de 30 ans, à 29 ans, il était veuf et avec un enfant. Et ça a été très dur, il a connu des années très difficiles, il s'est lancé dans le travail, mais au bout de quelques années, la vie, évidemment, nous apporte toujours quelques espoirs. Et il a rencontré, deux ou trois ans plus tard, il a rencontré cette Virginie Saint-Denis, beaucoup plus jeune que lui, elle avait à peine 18 ans à ce moment-là. Mais ça a été le coup de foudre. Et encore une fois, l'amour lui sourit et il va épouser en 1871 cette charmante Virginie Saint-Denis qui va être sa compagne pendant toute sa vie et qui va lui donner 5 enfants. Monsieur Galichin, je suis convaincu qu'Honoré Mercier était sur le point de faire son entrée. Jouez encore, s'il vous plaît, jouez! Ah! Monsieur Saint-Paul! Mais qui êtes-vous? Je me suis présenté tout à l'heure. On m'a engagé pour la surveillance de l'objet emprunté au musée. Oui, bien sûr, je sais qui vous êtes, mais enfin, ce n'est pas vous que j'attendais. Ah. Monsieur Galichin, je vous présente monsieur... Ah, Justin Leblanc. Bonjour. Puisque vous êtes là, bon, nous n'avions pas terminé notre conversation tout à l'heure. Vous ne m'avez toujours pas dit quelles mesures vont être prises ce soir, après l'événement, pour conserver cet objet. Ah. Quelles mesures de sécurité? Oui, j'ai peut-être oublié des choses, en effet. C'est ma première fonction comme agent de sécurité. Je suis encore aux études. J'aspire à être chef. Oui, chef de police. Non, chef cuisinier. Ah. L'agence de sécurité, c'est pour payer mes études. Décoré par le Saint-Père. Et en Belgique, j'ai été admis à l'ordre de Léopold. Et en France, à la Légion d'honneur. Tu as été reçu par le Premier ministre? C'est un président. Mais les Français voient la République comme s'ils étaient encore au temps du Roi Soleil. J'ai donc été reçu à l'Élysée. Et j'ai profité de mon voyage en France pour montrer les plans du pont de Québec. Sais-tu à qui? À Gustave Eiffel. Oh, il est beau, n'est-ce pas? Ah, je n'ai jamais vu de portrait de Gustave Eiffel. Ah non, je parlais du costume et de ses broderies. Oui, bien sûr, mon ami, il est splendide. On voit bien que c'est un article de Paris. En Europe, j'en ai profité pour rappeler à tous que Québec était le berceau du Canada, que c'est ici que s'élèvent nos institutions provinciales,
représentée par ces magnifiques édifices où nous siégeons, que c'est ici encore, à Québec, que se rassemblent toutes les forces vives de la nation, toutes ses aspirations. Il est de notre intérêt national en tant que peuple de consolider ici toutes nos forces. Tout ce qui peut affermir la puissance de la capitale doit affermir par le fait même la puissance de la province. Par le fait même, un pont qui enjamberait le Saint-Laurent serait essentiel à ce développement. C'est ce qu'ils ont écrit dans La Patrie, que tu avais jeté dans le vieux monde un éclat dont l'effet sera permanent et utile à notre peuple. Et ce costume brodé de fils d'argent m'y a aidé. Oh, il est magnifique jusque dans les moindres détails. Tu as remarqué comment le ruban qui remonte à l'arrière le long des basques se termine de manière originale? Ce n'est pas tout à fait symétrique. D'un côté, il forme un triangle, et de l'autre, il vient se glisser en dessous. Même chose pour les petites feuilles, là. Oh, ça vaut la peine de l'observer de près. Quel souci du détail! Oh, et c'est beau, hein, le travail des feuilles de chêne. Bon, cela convient tout autant au Salon des Villes, aux réceptions champêtres comme celles que nous allons donner aujourd'hui. C'était une excellente idée de recevoir ici les zouaves pontificaux québécois pour leur remettre les médailles et les décorations données par le pape. Tu feras une hôtesse parfaite. Il faut sûrement remonter au premier propriétaire du domaine, le seigneur de la Pérade, pour retrouver un moment aussi glorieux pour notre manoir. Et j'ai même retenu les services des meilleurs musiciens de l'Orphéon du comté. Ah. Il y en a un qui voulait jouer de la guimbarde, mais je l'en ai dissuadé. Et ils vont commencer à répéter. Viens à la fenêtre au salon. Je leur ai demandé de mettre au programme la pièce de Calixte à la vallée que tu aimes tant. Ah oui, le morceau qui commence un peu comme le « Au Canada ». Pom, 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 pom. Oui, viens, tu finiras de t'habiller tantôt. Si les mythes s'attaquent à ton frac, elles vont se casser là-dedans sur un fil d'argent. J'aimerais bien entendre notre spécialiste le décrire et nous donner, en quelque sorte, la signification symbolique de son ornementation. Donc, pour vous parler de l'ornementation du frac, je vais vous ramener quelques décennies en arrière. C'est-à-dire que le frac aurait été fabriqué, je crois, M. Mercier, possiblement dans les années 90, peut-être un peu avant. Je ne sais trop, peut-être que vous n'avez pas eu à vous charger de le faire fabriquer. Donc, mais enfin, il aurait été fabriqué à peu près à cette époque-là. Mais je vous ramène en 1803, c'est-à-dire à l'époque de Napoléon Ier. Et à ce moment-là, un règlement avait été rédigé sur les ornementations des costumes militaires qui était très précis. C'est-à-dire qu'un costume d'un gradé de haut rang, on n'a pas un costume militaire ici, mais ce sont quand même les mêmes ornementations qui ont été choisies. On a d'abord les feuilles de chêne qui doivent être brodées au point passé, c'est-à-dire un point qui remplit la feuille de chêne complètement. Dans le même règlement, on dit que chaque nervure principale de la feuille de chêne doit, sur la nervure principale, pardon, doit être cousue une série de paillettes. De la salle, vous ne voyez pas les paillettes, mais je peux vous dire que même d'ici, on ne les voit pas tellement, elles sont finalement assez discrètes. Il y en a partout, sur toutes les feuilles, et il devait y avoir aussi des paillettes sur ce qu'on appelle la baguette du vêtement, c'est-à-dire tout le tour. Peut-être que certaines personnes dans la salle peuvent voir un certain miroitement du vêtement, ben c'est dû aux paillettes qu'on ne voit pas vraiment bien, mais ça donne énormément d'éclat au vêtement.